C'est vrai que j'ai un souvenir avec Anouchka Delon, qui est venue ici tout simplement avec Ingrid Chauvin et son mari déjeuner un jour à midi. Mais c'est vrai que moi, ce que je garde de plus en souvenir, c'est la venue de Pamela Anderson, parce qu'elle venait pour une conférence qui n'avait rien à voir avec le Festival du film, mais qui était là pour le Festival du film et qui montrait à quel point une personnalité américaine qui est quand même de renom et les gens la connaissent vraiment. Attendez, parce que... Excusez-moi. Colette, tu vois pas qu'on tourne ? Cannes se transforme complètement. Tout se joue à Cannes pendant 15 jours. Tout est féerique, tout est magique. La montée des marches fait rêver tout le monde. Tout le monde rêve de monter les marches. Pourtant, c'est pas exceptionnel. Enfin, vous allez au cinéma, vous pourriez aller voir le même film au cinéma. Non, mais ça vous fait rêver. Vous vous préparez pendant une journée pour aller au festival. Moi, j'ai beaucoup connu l'ancien festival. J'y ai vu beaucoup de personnalités, j'y ai vu beaucoup de choses. Et c'est vrai que le côté était plus accessible. Mais les stars, à l'époque, étaient plus accessibles. Et il y avait une chose qui est très différente entre le festival de maintenant et le festival d'avant, que beaucoup d'ailleurs de personnalités nous disent, c'est qu'avant on restait 15 jours au festival. C'est-à-dire que pendant les 11 jours, les personnalités restaient à Cannes. Quand on descendait, notamment les actrices ou les femmes de producteurs descendaient avec 11 robes, 11 soirées étaient prévues, 11 montées des marches souvent étaient prévues. Alors que maintenant on arrive le matin, on monte les marches le soir. Souvent on ne regarde même pas le film et on repart après les avoir montées. J'ai croisé Depardieu et Carole Bouquet, j'ai croisé très accessible et très sympathique d'ailleurs. Depardieu, fidèle à lui-même, magnifique et géant. Oui, c'est 15 jours qui tournent autour du cinéma. Hein. Cannes se transforme en cinéma. C'est les rues de Cannes sont des pellicules de films à longueur de journée. C'est tous les magasins font des décorations autour du cinéma. Tous les restaurants ont des plats, enfin la plupart des restaurants font des plats autour d'un titre de film. Tout se joue autour du cinéma.